Bonjour à toutes, bonjour à tous. Rapidement sur... Alors, je ne vais peut-être pas tout vous parler de tous les, comment, de toutes les prépas que je vous ai postées, mais dans cette vidéo aussi. Mais il y en a. Celle-là, je voudrais vous en parler tout de suite. Je referai une deuxième vidéo. Je suis désolée, je repars dans la foulée. Voilà, il y a trois produits dont je voudrais vous parler impérativement. Un qui est très bien, un qui aurait pu être plus que bien, enfin qui a été très bien aussi. Et un autre qui, alors là, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. C'était le masque visage chocolat que j'ai fait. Vous avez dû le voir en vidéo. Alors, je vais déjà commencer par ça d'ailleurs. Je ne sais plus dans quel ordre. Non, je vais déjà commencer par le soin, la gelée minceur que j'ai fait ventre plat. Alors, en tant que tel, les produits que j'ai mis dedans, les actifs que j'ai mis dedans étaient juste très très bien. Voilà, ça m'a quand même aidé à perdre, sans vous mentir, presque 3 cm de tour de taille, rien qu'avec ce flacon. D'ailleurs, il en reste encore un tout petit peu dans le fond là que j'ai énormément de mal à finir. Alors bon, je ne me suis pas contentée non plus pour perdre 3 cm de tour de taille d'utiliser que ça. Ça n'est pas un produit miracle en soi. Il faut quand même adapter une alimentation. Ça m'a aidé à garder quand même un ventre tonique. Malgré la perte de centimètres, mon ventre est resté, la peau est restée tonique. Voilà. Alors, je l'ai utilisé jusqu'au bout. Je vous avouerai que dans les derniers jours, j'ai eu énormément de mal à la finir. Voilà. Et pourquoi? Parce que elle colle et elle pluche. Voilà. Donc, la poudre d'ananas que j'ai mis à l'intérieur, c'est sûr et certain que ça, si vous refaites cette recette-ci, ne mettez pas la poudre d'ananas. Les actifs que j'ai mis en eux-mêmes sont tous top, sauf la poudre d'ananas. Elle est bien, mais elle colle, voilà. Et quand il y a un effet collant comme ça, même avec la ceinture de sudation, c'est pas terrible, quoi. Je sais pas, j'étais pas à l'aise, je l'ai quand même utilisé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je suis partie en voyage. J'ai eu la bonne idée de le mettre dans la valise qui allait dans la soute à bagages. Et j'avais eu un déphasage, donc quand j'ai rouvert mes bagages, en fait, toute la phase aqueuse était là, alors que là, vous voyez, bon, je me suis dit, ça y est, mon truc, il est fichu, alors que je venais juste à peine de commencer à l'utiliser par le fait, et au final, non, il a simplement fallu que je le rescoue un bon coup, et puis voilà, donc il s'est bien refasé, là, il en reste vraiment pour une seule application, je vais quand même terminé parce que je n'aime pas jeter et vous allez comprendre pourquoi. Donc ce produit là, oui, hein, c'est vraiment un très bon produit. La Chris Marine est vraiment très bien. D'ailleurs, la Chris Marine, on peut aussi l'utiliser en soin anti-âge pour le visage, hein, c'est, y a pas de souci, hein. Moi je l'utilise. Donc voilà, si vous ne faites pas d'allergie aux huiles essentielles, cette recette ci donc je vous le rappelle, hein, c'était la gelée minceur ventre plat. J'ai dû la faire vers le mois d'août, oui c'est ça, août. Donc j'ai dû la poster, elle date du 24 août, j'ai dû la poster peut-être début septembre, voilà, hein? Bon, c'est tout, c'est une très bonne prépa, les étiquettes ont super bien tenu, vous voyez, voilà, bon, c'est tout, voilà, mais si vous la refaites, ne mettez pas de poudre de fruits à l'intérieur, parce que sinon c'est sûr que vous allez avoir et la pluche et l'effet collant, et ça c'est pas terrible. Mais sinon, oui, je vous la recommande. Le shampoing solide pour cheveux grisonnants, pour éviter qu'il jaunisse. Alors là, je vous le recommande. Là, ça fait 2 semaines qu'il est utilisé. Donc, vous voyez, 2 semaines, il est toujours nickel. Donc, j'en ai fait 3. Le cheveu blanc, parce que je ne peux pas vous dire blond, parce que je n'ai pas de blonde autour de moi qui l'essaie, donc je ne peux pas vous dire, mais le cheveu blanc, en tous les cas, il est très brillant et prend une belle couleur argentée. Voilà.
Donc, au fur et à mesure du temps, il prend une superbe couleur argentée. D'ailleurs, j'ai fait également la lotion qui va avec. Je ne l'ai pas encore postée, ça va venir. C'est une lotion toute simple, à peu près avec les mêmes ingrédients, c'est-à-dire l'arginine, l'oxyde bleu. Bon, là, j'ai pas mis l'oxyde bleu, hein, bien sûr. Mais là, j'ai mis l'oxyde bleu et l'oxyde bleu fait bien ressortir les couleur blonde ou blanc. Voilà, moi là en l'occurrence je vous parle de quelqu'un qui est blanc, hein, voilà. Et puis alors là, ma grosse déception, la grosse déception, alors là, la catastrophe totale, donc ce superbe masque au chocolat que j'ai, voilà, bon, j'ai quand même utilisé un peu et au bout d'un moment, oh, je crois que ça a dû être... J'ai enlevé le caoutchouc, hein, mais il avait un caoutchouc, etc. Donc, d'autant plus que je l'avais gardé au frais malgré la conservation. Conservation au frais, il n'a pas tenu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais strictement rien. Mais alors, strictement rien. Pour vous donner une idée des choses, il sent... l'odeur ressemble à l'odeur d'ammoniac. Donc, première semaine d'utilisation nickel, la deuxième semaine d'utilisation nickel, la troisième semaine terminée, on n'en parle plus, à faire classer. Mon masque visage chocolat, je ne peux même pas l'utiliser pour autre chose parce que, comment vous dire, il n'y a pas de trace de moisissure. Est-ce que vous allez bien voir? Oui, il n'y a pas de trace de moisissure. Hein, la texture, elle est... de toute façon, je peux mettre le doigt dedans hein, puisque de toute manière, il va aller à la poubelle. Donc voilà, c'est un masque qu'on applique de cette façon-ci, voilà. Ça faisait une peau super douce. Je vais essuyer les mains maintenant. Ça a donc fait une peau super douce, hein. Ça, il n'y avait pas de problème. J'étais super contente de ce truc, surtout que moi, j'adore les masques. Donc, ça faisait vraiment une peau super douce. Mais alors, dans le doute, parce que j'ai aucune idée, le pH, il est bon, tout est bon. L'odeur, il pue l'ammoniac à plein pot. Je suis allée voir sur la fiche Aromazone de la poudre que j'ai mis à l'intérieur et je me suis dit, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, j'en sais rien. En tous les cas, eux, ils n'en parlent pas. Voilà, c'était la poudre je me souviens plus, je vous la note tout de suite. Alors, est-ce que c'était ça, est-ce que c'était pas ça, j'en sais rien. Toujours est-il que là, ça sent fortement l'ammoniac et que ben ça va directement à la poubelle. Voilà. Et là, c'est, je dirais, depuis que je fais du homemade, c'est la première fois que je mets à la poubelle un de mes produits. Je n'ai jamais mis à la poubelle. Mais là, je ne peux même pas recycler. Je ne veux pas essayer d'aller m'abîmer quelque chose au visage ou de... Voilà, c'est pas trop, voilà. La couleur, alors je ne sais pas si vous voyez la couleur, elle est plus claire ici, plus foncée ici. Voilà, vous voyez, par endroit, elle est plus foncée et plus claire. Voilà, je ne sais pas, j'ai essayé de chercher à comprendre. Bon, il y a des fois, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça, on gagne un coup, on perd, hein. C'est tout. Hein. Voilà, donc je voulais vraiment revenir sur ces trois produits-là. Donc celui-ci, oui, faites-le. Faites-le parce que ça va vous aider à tonifier la peau et ça fait mincir quand même hein, avec la ceinture de sudation, quoi qu'on en dise. Hein. Voilà, c'était un petit retour rapide sur trois produits. Deux récents et un qui l'est un petit peu moins. Et je vais vous faire une vidéo sur toutes les autres préparations que j'ai faites. Mais pas tout de suite parce que celle-ci n'est pas encore postée. Voilà. Donc, je regarde à combien de minutes j'en suis. 9 minutes, je termine quand même peut-être par le Body Butter. Il est top. Voilà, si vous voulez quelque chose de génial pour vous tartouiller le corps quand la peau, elle tire l'hiver, etc., le Body Butter, il est top. L'odeur, elle est top. J'ai déjà quand même pas mal entamé. Hein. C'est vraiment une très belle crème. Il m'arrive même quelquefois d'en prendre une petite noisette quand ma peau vient d'être rincée sous la douche. De la mettre dans les mains et de me tartouiller le corps avec comme ça sur les zones très sèches. Principalement les avant-bras, là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est là que ça gratte le plus. Tous les coudes, etc. Le dos gratte énormément. Voilà. L'eau calcaire, le froid fait que la peau, elle déguste. Hein. Voilà, allez, je suis revenue sur 4 produits. Body Butter, je vous le conseille. Très bon produit, mais ça, je pense que vous vous en doutiez un petit peu. Très bon produit,
Seulement, vous enlevez simplement la poudre de fruits et ce sera parfait. Voilà. Je vous le déconseille parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Si j'arrive à trouver le pourquoi du comment, je vous le redirai. Mais pour le moment, j'ai encore pas trouvé pourquoi. Tout était bien désinfecté. Le pot avait bouilli, etc. Enfin, je veux dire, tout était bien désinfecté. Bon, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Ça, il fallait que ça m'arrive une fois au moins. Hein, donc, ça m'est arrivé. Voilà. Et les shampoings solides pour les cheveux blancs. Pareil, je vous les recommande. Allez. Maintenant que j'ai fait mon petit retour. Hein, parce que c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir un retour. Hein, c'est parce que la crise marine, c'est quand même pas donné. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans les préparatifs de Noël, auquel cas je vous souhaite à tous et à toutes et à tous, hein, je fais déjà passer les dames avant, hein, messieurs, à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année en famille, voilà, hein, et ou entre amis, comme vous voulez, l'essentiel étant que vous ne soyez pas seuls et que tout se passe bien, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une toute prochaine préparation. Ciao, bye.